ami Jacob, le pauvre, enfin, il y en a quand même quelques-uns comme lui, hein. Toute sa vie, il a été dominé par les femmes. Voilà, donc sa grand-mère a commencé à sa naissance, parce que les grands-mères savent toujours mieux que les mères comment il faut élever les enfants. Après, la grand-mère est morte, c'est la maman qui s'en est chargée, même après le mariage, elle était toujours présente. Et puis la femme de Jacob, évidemment, a pris le relais. Ça s'est pas arrangé avec ses sœurs qui le dominaient, et même plus tard, il a eu deux filles, et toutes les deux le dominaient, le pauvre Jacob, toute sa vie. Bref, sa vie se passe, il meurt. Et donc toute la famille se retrouve chez le notaire, et le notaire ouvre l'enveloppe et il lit: « Voici mes premières volontés. »